Let's dance, cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever we are, here come the new. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais avoir deux propositions et je vais devoir dire ce que je préfère, mais en gros c'est des propositions horribles, tu vois, par exemple mourir noyé ou mourir brûlé. J'ai utilisé l'application Tu préfères si jamais ça vous intéresse. J'espère que ça vous plaira. On arrive à la fin du challenge, une vidéo par jour, mais vous inquiétez pas, après ce sera une vidéo tous les deux jours. Si jamais après ça vous suffit pas, une vidéo tous les deux jours, vous pouvez venir sur mon Instagram où je fais des réels, où je vous poste des posts, où je vous fais des stories, et sur mon TikTok où je vous poste plein de TikTok aussi. Voilà. Et du coup bah c'est parti, on peut commencer la vidéo. Prendre une douche trop chaude, moi je kiffe, je me douche tout le temps à l'eau bouillante, bouillante, vraiment j'aime trop, sinon j'ai pas l'impression de prendre une douche. Bah je préfère savoir que tout le monde me trouve nulle, parce que dans tous les cas bah, je m'en fous de ce que pensent les gens. Au moins je serais pas là comme une conne à croire des choses qui sont totalement fausses et me faire à l'idée que tout le monde m'aime bien alors que bah, non, c'est totalement faux. Franchement je choisirais avoir des dents en bois, bah au moins ça, je mange encore mieux les aliments, même si ce serait moche, mais des jambes en mousse tu peux rien faire après, c'est nul. Je pense que je choisirais courir en combinaison de ski sur la plage parce que tout nu à la montagne, donc déjà t'es tout nu, mais tu vas attraper froid parce que c'est dans la neige. Alors que combinaison de ski à la plage, ok tu vas avoir chaud, mais c'est pas pour autant que tu vas tomber malade. Ok tu vas avoir chaud, tu cours, tu fais ton petit sprint et après c'est bon, c'est terminé, t'enlèves ta combi. Bah, être seule sur l'île, surtout moi, enfin côté de moi qui est un peu solitaire, du coup des fois j'aime bien me retrouver seule, donc être seule sur l'île ça me va très bien, parce que si c'est pour être avec 4 personnes que je déteste. Alors je sais pas où c'est Marly Gaumont, mais je vais dire Marly Gaumont à 200 m². Je sais pas si c'est bien, mais je préfère habiter dans un 200 m² que dans un 30 m², même si je suis pas à Paris, dans tous les cas j'habite pas à Paris. Je vais dire debout parce qu'on peut faire beaucoup plus de trucs debout que coucher. Mais bon après bah du coup faut apprendre à dormir debout contre un mur comme ça. Mais ouais, au moins tu peux sortir, te balader et tout, t'es toujours debout parce que allongé bah tu peux juste rester dans ton lit. Après on te porte, on t'amène à un autre endroit, t'es toujours couché, mais c'est nul. Alors non, déjà les océans comme ça avec les requins c'est pas possible. Je préfère être abandonnée en plein milieu du Sahara, je vais marcher, je vais trouver des gens, je sais pas, je vais trouver quelque chose, je vais trouver à boire aussi. Mais être lâchée en plein milieu du Pacifique, je sais qu'au bout d'un moment ben, je vais m'essouffler, je vais me laisser mourir. Ou même je vois un truc qui touche mon pied ou quoi, je peux pas nager pour vite retrouver la côte parce que c'est pas possible en plein milieu du Pacifique. Non non, je vais choisir être en plein milieu du Sahara. Je préfère me téléporter autant de fois que je veux, mais dans les endroits aléatoires. C'est-à-dire que si jamais l'endroit où on m'a mis me convient pas, bah je me re-téléporte vu que j'ai autant de fois que je veux. Du coup je choisis ça. Jusqu'à qu'il y a un lieu où je me sente bien. Bah je préfère rire toute seule dans mon coin. Je déteste pleurer devant les gens. Je préfère m'apercevoir que mon t-shirt était à l'envers. Je vais choisir un 11e doigt de pied. Dans tous les cas, c'est moche cet endroit. Vas-y, rajoute-en, je m'en fous. Trouver 20 euros dans la rue. Au pire, on t'en fait passer deux jours là, mais on t'en refera bien une fois dans ta vie. Donc, trouver les 20 euros par terre. Ben franchement j'aurais pensé choisir avoir le corps couvert de poils et me raser et m'épiler, mais en fait non, je vais choisir n'avoir aucun poil ni cheveux ni sourcils, mais je mettrai une perruque,
je me ferais mes sourcils en microblading comme là. Et voilà, c'est mieux comme ça, il y aurait pas tout le temps tracé tous les poils que t'as de partout parce que du coup tu serais couvert de poils. Je vais choisir ça. Passer ma vie sans ordinateur, on a plein de trucs, on a un téléphone, on a des tablettes, on a plein de trucs à notre disposition. Franchement, je serais plus tentée d'adopter un tigre, mais voilà, il y a le danger. Et le singe, pour l'amusement, le singe, j'adopterais un singe parce qu'il sera tout le temps avec moi, alors que le tigre, je pourrais pas vraiment le mettre dans la maison. Bah, je choisis être malade et ne pas bouger de son lit pendant une semaine. Si vraiment t'es malade, tu te reposes et tout, d'accord, 4 jours d'école non-stop, sans récréation ni cantine. Même si c'était un bail où j'avais ça, mais non. Non-stop, ça va pas, oui. Travailler plus pour gagner plus. Ne jamais pouvoir savoir l'heure. Dans tous les cas, mon corps il sait quand il a faim, quand il est fatigué, quand il a envie de se réveiller, donc j'ai pas besoin d'avoir l'heure. Après c'est juste important pour les rendez-vous ou quoi, mais j'inventerai un truc. Au pire je lui dis quand je dois venir, 5 minutes avant, vous m'appelez et moi j'arrive. Enfin selon la distance du trajet que je devrais faire. C'est horrible, ça veut dire qu'en gros si tu t'endors à chaque fois que tu réveilles, tu fais rien de la journée. Mais par contre, si tu te réveilles à chaque fois que tu t'endors, ça veut dire que tu dors jamais. En fait c'est impossible parce que ton corps il a besoin de dormir. Et si tu dors pas assez, t'es insupportable. Moi je sais que je suis insupportable et que ça joue énormément sur ma santé si jamais je dors pas. Mais je vais choisir quand même me réveiller à chaque fois que je dors pas parce que se rendormir à chaque fois que tu te réveilles, ça veut dire que tu dors toute ta vie. Dans le fond les deux c'est bien, même si j'aime pas trop de base aller au cinéma, je pense que je vais choisir ça. On va avoir le droit de télécharger gratuitement et légalement tous les films, mais je sais que je le ferai pas. Même si dans le fond j'irai pas souvent, mais j'irai quelques fois du coup. Franchement je sais pas marcher en talons, mais au bout d'un moment je vais bien apprendre. Mais porter des pannes, déjà que c'est galère, tu marches comme ça, je vais choisir des talons de 10 cm. Je préfère manger. Non mais quand je mange pas, j'arrive pas à dormir parce que je vais avoir une boule au ventre et je vais pas réussir à dormir. Par contre, si je dors pas, je vais réussir à manger. Je porte un short tout l'hiver, mais je mets un collant en dessous. Un collant couleur chair, comme ça on voit pas. Je suis pas cramée. Les bonbons de sûr. Je suis pas trop chocolat, mais après je peux en manger, mais les bonbons... Bah elle est beau, c'est tous les jours en chaussons. Si je suis la patronne, même si je bosse de chez moi, au moins je suis en chaussons, c'est ça. Parce que c'est bien beau d'être en costard 24h sur 24, mais si t'as pas de travail, ça sert à quoi? En plus ça tient chaud, ok c'est beau, mais voilà, non, je préfère être en chaussons. À 2000% marcher sur la lune, ça doit être tellement beau. Mais la célébrité que je veux, je m'en fiche. Tomber par terre en public mais ne pas avoir mal. Comme je vous ai dit, je m'en fous de ce que pensent les gens. Ils peuvent penser que je me tape la honte à tomber par terre, mais tant que je me fais pas mal. Franchement, j'aimerais bien aller dans le futur, mais genre tu vois, que quelques jours histoire de voir comment elle est ma vie. Est-ce que mes proches sont toujours là? Comment est ma maison? Comment sont mes enfants, etc. Et après revenir, tu vois, mais juste pour me faire un petit aperçu. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à mettre un j'aime et me le dire en commentaire en me donnant des questions, genre tu préfères ça ou ça, peut-être que je les choisirai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.